On se retrouve donc sur la piste de Carpentras. C'est une très très belle piste qui fait environ 1200 mètres. Moi en KZ, franchement, je me régale sur cette piste. D'ailleurs, beaucoup en KZ le disent. C'est Carpentras, l'une des plus belles pistes de chez nous. Quoi dire? Donc elle fait 1200 mètres. En termes de tarifs, on est à 35 € pour la journée. Alors ils sont ouverts que le samedi matin ou le dimanche toute la journée, à savoir une seule fois dans le mois. Le problème c'est que la piste est assez proche d'habitation, ce qui fait qu'il y a eu un accord avec la commune et les riverains pour limiter, on va dire, le bruit tous les week-ends, quoi, en gros. Je suis en train de bricoler celle-là. Alors, monsieur Pragraman, ouais. Comment ça se passe? Écoute, ça se passe très bien. Ouais. La piste est douce encore un peu, mais sinon, les conditions sont plutôt bonnes aujourd'hui, je trouve. Eh ouais, tu m'étonnes. Tu viens souvent rouler ici? De temps à autre. Ouais. Là, je crois que je vais venir un peu plus souvent parce que c'est vraiment plus proche de chez moi et comme ça, je vais venir m'entraîner, quoi. Voilà. Tiac. Ah là là, c'est jeune. On peut plus rien faire, je crois. Regardez-moi ça. Voilà. Là, je suis pas les portables. Alors, monsieur le pilote. Ça roule fatigué. Ou ça roule? Ça roule, fatigué. Ouais, à combien tu roules là? 42-0? 41-9.
les amis, cette vidéo arrive à son terme. La SK Conta Veneçain ou Veneçain. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce parce que j'ai entendu plusieurs versions de la prononciation. Donc pour ceux qui cherchent à s'y rendre pour pouvoir y rouler, vous tapez donc sur votre ami Google, vous tapez Hippodrome de Carpentras. Et en fait, la piste est en plein milieu de l'hippodrome. Voilà, tout simplement. Pour le samedi, ils sont ouverts que l'après-midi. Et le dimanche, ils sont ouverts toute la journée. Sur leur site kartingcarpentras.com pour voir un peu ce qui s'y passe et pour pouvoir avoir les coordonnées pour pouvoir contacter l'enceinte pour pouvoir avoir tout renseignement dont vous avez besoin. Voilà, c'est une piste qui est vraiment sympa en KZ, pour ceux qui roulent en KZ. Pour les autres catégories, c'est la même chose, hein. C'est une très belle piste. J'y ai roulé en Rotax à l'époque. On s'y amuse vraiment. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, à faire tout ce qu'il faut, quoi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les amis.